Hola les amigos, j'espère que vous allez bien et ici votre amigo José qui est de retour sur YouTube. Les frérots, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, franchement vous manquez de ouf. Oh là là, ça fait grave plaisir d'être ici à nouveau, donc désolé hein, pour ma petite absence, mais j'étais en train de m'occuper des élèves du Panthéon et je vous dis la vérité, j'étais grave débordé avec tout le bloc que ça me demandait. Mais ça y est, j'ai trouvé un petit rythme plutôt sympathique et je vais pouvoir vous servir tous en même temps. Donc ceci étant dit, amigos, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, absolument d'actualité, à savoir, comment rester fraîche pendant le confinement. Donc vous le savez, je vous avais fait une vidéo sur le confinement. Et je voulais plus trop en parler parce que, voilà, moi j'aime pas parler des choses négatives. Je pense qu'il est bien plus adéquat de se concentrer sur le positif, sur les choses qu'on peut faire pour grandir, pour devenir meilleur. Mais les députés là, les députés, les messieurs importants là, ils ont parlé et ils ont dit que à partir du 11, on sera déconfiné. Mais les salles de sport ne vont pas ouvrir. Les restos vont pas ouvrir non plus, les lieux de rencontre vont pas ouvrir non plus. Donc en gros, ça veut dire qu'on va quand même, malgré tout, rester un peu confiné, même si on peut sortir. Ok? Donc, il est essentiel, les mecs, essentiel pour vous de rester fresh, de rester au top du top, autant mentalement que physiquement, pendant cette période de l'année. Parce que rester prêt, ça nous permet de rester motivé, ça nous permet de garder une bonne image de nous-mêmes et nous sentir au top du top. D'accord? Donc dans cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler. Et la toute première chose qu'on peut mettre en place, déjà, c'est de s'abonner à cette chaîne. Non, je rigole. Bon, vous pouvez le faire, bien entendu, c'est gratuit. Non, la première chose qu'on peut faire pour rester frais pendant le confinement, c'est de prendre soin de notre coupe de cheveux. Ok, je sais que parmi vous, il y en a plein qui sont victimes de la coupe du confinement, à savoir les cheveux qui poussent comme ça, trop moche. Donc, écoutez les mecs, soit vous prenez votre courage à deux mains et vous faites comme moi, vous tapez un petit dégradé à la main, soit, au moins, ce que vous pouvez faire pour voilà, maintenir votre niveau de fraîcheur suffisamment élevé, c'est de, vous savez, couper un petit peu les contours, d'accord? Enlever, grâce à votre One Blade ou à n'importe quel autre rasoir, enlever les poils qui poussent un petit peu sur les côtés, sur les bords, qui sont un peu dégueulasses. Et tout de suite, rien que ça, ça va vous permettre d'être beaucoup plus frais vis-à-vis de votre coupe de cheveux. Et la deuxième chose que vous pouvez faire pour rester frais pendant le confinement, c'est de continuer à prendre soin de vous. D'accord? Les gars, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va arrêter de prendre soin de soi. C'est pas parce qu'on est confiné que vous allez arrêter de vous brosser les dents et puer de la gueule parce que personne sent votre bouche. Non, 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 non. On fait pas toutes ces choses-là pour les autres, les gars. On les fait avant tout pour soi, pour se sentir bien. Pas pour que les gens en face de dans la rue disent qu'on est beau gosse. On s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent. Pour que nous, on se sente bien. Donc, continuez à prendre soin de vos dents, d'accord? Continuez à prendre soin de votre peau, d'accord? À laver votre visage, à mettre de la crème hydratante, d'accord? Continuez à prendre soin de vos cheveux. Continuez à prendre soin de votre pilosité, ok? C'est pas parce que vous allez pas voir votre señorita pendant deux mois que vous devez laisser la jungle pousser, là. Non! Ok, faut que ce soit entretenu, faut que ce soit propre, pour que vous vous sentiez au top du top. Ok, donc, deuxième chose, continuez à prendre soin de vous d'une manière générale. Ce qui m'emmène au troisième point, c'est de continuer à faire du sport et à vous alimenter correctement. Les gars, s'il vous plaît, ne soyez pas, ne faites pas partie de la team des losers qui prennent du poids pendant le confinement. Ne faites pas partie de la team des losers qui grossissent pendant le confinement ou qui perdent toute leur masse musculaire. Non! Les gars, vous avez le temps de vous entraîner au poids du corps. Vous pouvez le faire, il y a plein de routines sur internet. Faites-les, d'accord? Faites des squats. Si c'est trop facile pour vous, faites des squats une jambe. Débrouillez-vous pour que ce soit dur, pour que ce soit intense et surtout pour que vous le fassiez tous les jours. Continuez de vous entraîner pour continuer à avoir comme ça des boosts d'hormones pour booster votre testostérone, pour vous sentir bien, pour vous sentir bien aussi dans la tête et aussi à manger correctement pour que votre peau, votre santé, votre bien-être soit bien, ok? On se laisse pas abattre par ce Covid, on se laisse pas abattre par le confinement et c'est pas parce qu'on voit pas les gens qu'on doit commencer à ne plus rien faire, ok? Faites pas les choses, comme je vous ai dit, pour les autres, vous les faites pour vous, ok? Donc, voilà, on prend soin de ça, les mecs. Allez, sa santé, c'est important.
Les pecs, c'est important. Eh oui, défi 1000 pompes, je peux pas. La quatrième chose pour rester prêt pendant le confinement, c'est de continuer à bosser sur vos projets. Amigos, écoutez, vous n'avez jamais eu plus de temps qu'aujourd'hui pour bosser sur vos projets et je vous encourage activement à continuer à bosser dessus et même à redoubler d'efforts. Et ça, ça va vous rendre plus fraîche, d'accord? Pas vous rendre plus fraîche visuellement, mais plus fraîche dans votre esprit, dans votre bien-être et dans votre épanouissement personnel. Si vous bossez sur vos projets, sur les choses qui vous tiennent à cœur, on va voir cette lumière dans vos yeux, on va voir que vous êtes passionné, que votre vie évolue et vous êtes en mode progression. Et quand on est en mode progression, on se sent bien, on se sent frais et tout se passe mieux dans nos vies. Donc, continuez de bosser sur vos projets. Et si vous n'avez aucun projet, posez-vous, réfléchissez à votre avenir, réfléchissez aux choses que vous pouvez faire. Essayez de vous connaître, savoir ce que vous voulez faire et bosser dessus. Les gars, on n'est pas des larves, on n'est pas des loques, ok? On ne se laisse pas vivre. On avance, on fait les choses, on s'épanouit et on devient un homme meilleur. Donc, si vous voulez, vous avez le lien dans la description pour rejoindre le coin des amigos. Donc là-bas, vous avez tous les bonus que je mets à votre disposition. Vous avez un programme de muscu, bon, en salle de sport, donc ça sert à rien. Mais vous avez aussi des questions à vous poser pour apprendre à mieux vous connaître. Vous avez le guide pour devenir le plus fresh possible. Vous avez un guide des marques. Bref, rejoignez le coin des amigos et servez-vous de ces bonus-là qui sont à votre disposition pour vous améliorer, vous épanouir et devenir un homme meilleur. Et enfin, la cinquième chose pour rester frais pendant ce confinement, et rester positif et humain, en fait, c'est de continuer à appeler vos proches et vos amis régulièrement. Souvent, on sait qu'il y a des choses qu'on devrait faire, comme les appeler, justement. Et on ne le fait jamais. On ne le fait jamais. On repousse ces choses-là qu'on sait qu'on devrait faire. Mais les faire, justement, c'est très important. Et si vous appelez vos proches, vous appelez les personnes autour de vous qui ont peut-être besoin d'une oreille pour les écouter, vous allez contribuer à rendre ce monde meilleur. Vous allez contribuer à faire de cette crise une opportunité pour grandir. D'accord ? Et c'est ça le plus important. Rendez ce monde meilleur, améliorez-vous, devenez une personne exceptionnelle et le monde vous le rendra. Ok ? On récolte ce qu'on sème. D'accord ? Donc, semez des graines de positivité, semez des graines de bonheur et ce confinement se passera au mieux. Voilà amigos, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine. Peace.